fashionista. How do you look? What are you wearing? Bonjour tout le monde et bienvenue dans la pause café. Aujourd'hui, c'est le printemps. Il fait beau, les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent, le pollen circule. Et la boisson du jour est un café au lait. Mais parlons des sujets qui fâchent. Aujourd'hui, parlons style, élégance, raffinement, habillement. Bref, aujourd'hui, parlons de la mode dans les jeux vidéo. Et je parle de la mode, hein, la haute couture, oui monsieur. Michel, alors que son look n'a ni queue ni tête. Il y a plein de liens intéressants entre jeux vidéo et fashion, mais le plus... Et le plus évident sont les jeux dits de mode, justement. En anglais, dress-up games, ces jeux ont pour but de vous mettre dans la peau d'un styliste ou d'un créateur de mode, voire d'un photographe ou encore d'un top model. On peut notamment relever la série Jeune Styliste, qui invite le joueur à se glisser dans les carnets de jeunes créateurs de mode et à créer sa propre collection, inspirée souvent de grands créateurs, de personnages iconiques ou même d'époques spécifiques. Le premier volet haute couture a d'ailleurs bénéficié de l'aide de grands noms de la mode, comme Jean-Paul Gaultier ou encore John Galliano, qui ont envoyé des croquis personnels pour inspirer des collections dans le jeu. Dans un genre différent, il y a Maison du Style sur Nintendo DS. Ce jeu-là propose plutôt aux joueurs de gérer sa propre boutique de vêtements et de devenir une icône de la mode reconnue. Un peu comme dans Kim Kardashian Hollywood qui vous propose de devenir une star, que ce soit par votre talent ou par votre style vestimentaire. Et je ne compte pas tous les jeux Flash, Facebook ou autres qui ont des principes similaires. Il y en a beaucoup trop pour tous les répertorier. Je vais tout de même distinguer le site slash jeu internet mabimbo.com, qui est entièrement consacré donc au jeu Mabimbo, et qui non seulement part du même principe que Kim Kardashian, mais beaucoup plus vieux, et a toujours énormément de succès. Puisque ça fait des années que la communauté est toujours aussi active dessus, et surtout qu'il y a sans cesse de nouvelles tenues, qui soient inspirées de réelles collections, ou tout simplement des vêtements, de saisons, ou juste d'idées des créateurs. Mais qu'est-ce que tous les jeux que je viens de citer ont en commun ? Déjà, ils mettent tous la mode, ou l'habillement, la création de mode, au centre de leur gameplay ou de leur univers. Et surtout, ils sont tous plus ou moins mis en avant, quasi exclusivement, pour les joueuses. Forcément, un jeu qui parle de mode, ça peut être que pour les nanas, hein. En vrai, le public de ces jeux est un petit peu plus diversifié que ça, même si leur cœur de cible reste les jeunes joueuses. Mais il faut noter que les concepts de ces jeux sont souvent repris dans des jeux avec un public bien plus étendu. Déjà, jetons un œil aux Sims, dont les nombreuses options d'habillement et de style sont très très connues et sont même l'objet, parfois, d'extensions entièrement sponsorisées par des marques. Wow, 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 attendez, des jeux avec des options de création de personnages étendues? Moi, ça me rappelle autre chose. Et oui, de nombreux jeux, dont les jeux d'aventure ou les RPG, et surtout les MMORPG pour ne citer que, offrent des éditeurs de personnages très développés. Et surtout, dans le jeu, ils offrent des options d'équipement, ou habillement du coup, qui vont leur permettre de changer de style au fil du jeu. Toutes ces tenues sont évidemment créées par des gens, et donc vont s'inspirer d'autres créations, dont celles de l'industrie de la mode. Aucun jeu vidéo n'est créé dans un isolement total de la culture qui l'entoure, et forcément les chara-designers vont s'inspirer d'autres vêtements, que ce soit des vêtements historiques d'époque plus ou moins lointaine, de personnages emblématiques, de courants artistiques, ou juste d'autres références de vêtements. Et si certains jeux font beaucoup d'efforts pour produire des tenues vraiment d'époque, d'autres au contraire prennent énormément de liberté et vont plutôt s'inspirer de courants artistiques, de conventions, et surtout d'autres œuvres de même type d'univers. Par exemple, il semble que dans certains univers fantastiques, plus un personnage a de ceinture, de sangles et de poches un peu n'importe où, plus il est badass. Il y a même des communautés dans les jeux qui se créent autour de l'habillement et du style de leurs avatars. Il y a par exemple déjà eu des concours de mode dans Guild Wars 2, avec jury, défilé, tout ça. Guild Wars ? Fashion Wars plutôt, non?
En fait, je rigole pas, c'est le vrai nom. Ça s'appelle vraiment Fashion Wars. Et certains jeux vont encore plus loin en intégrant le fait de changer de tenue à leur gameplay. Comme dans Zelda par exemple. Si Zelda Ocarina of Time utilisait déjà le fait de pouvoir changer de couleur de tenue pour obtenir de nouvelles capacités comme respirer sous l'eau ou résister au feu, le nouveau Zelda Breath of the Wild pousse ça encore plus loin. Dans le dernier jeu, il y a énormément de tenues qu'on peut mixer, dont certaines vont vous donner des capacités plus ou moins inattendues, comme remonter des cascades par exemple. Et toute personne avec un sens du style un peu développé pourra avoir envie de s'amuser avec ça, de mixer des tenues jusqu'à en créer une qui corresponde, pour pouvoir se balader dans Hyrule en étant le ou la plus stylé. Un peu comme dans un jeu de mode en fait. Le plaisir de pouvoir changer de tenue ou même juste de couleur de vêtements est très utile pour permettre au joueur de s'approprier un personnage, mais aussi de pouvoir se démarquer ou juste de faire varier le visuel dans un jeu un peu plus répétitif. Certains jeux comme League of Legends ont bien saisi l'intérêt de proposer cette option aux joueurs. Une énorme part de leurs bénéfices se fait sur la vente de skins, ou de variations de tenue et d'apparence de leur personnage. Tout le monde aime avoir le choix, et proposer quelques options qui permettent aux joueurs d'exprimer leur personnalité peut faire une vraie différence. Surtout lorsqu'un jeu s'adresse à une grande communauté de joueurs et joueuses. Mais si de nombreux jeux vidéo peuvent jouer sur l'habillement ou les notions de stylisme, l'inverse est vrai aussi. L'industrie de la mode peut être influencée par les jeux vidéo, même si ce n'est pas toujours évident. Si certaines collections de vêtements sont ouvertement inspirées de styles artistiques normalement issus du jeu vidéo, comme le 8-bit ou le pixel art, il y a aussi une influence plus générale et beaucoup plus diffuse. Et quelques relations un peu plus évidentes. Dior a par exemple travaillé avec des développeurs de jeux vidéo pour créer une installation réalité augmentée lors d'un de leurs défilés de la Fashion Week. Et ils ont même créé un casque de réalité augmentée Dior juste pour l'événement. Imagine le prix du truc! Versace a créé une tenue pour Zayn Malik, qui était, à sa demande, inspirée d'un personnage de Mortal Kombat. Katy Perry a fait un tapis rouge avec une tenue qui rappelle franchement Bayonetta et un Tamagotchi à la ceinture. Une créatrice de mode a même été tellement fascinée par le jeu vidéo Limbo qu'elle a créé une robe araignée qui défend son propriétaire lorsqu'il est stressé. De ce point de vue-là, on vit vraiment dans une époque formidable. La mode et la technologie se rejoignent hyper régulièrement. Et les jeux vidéo ont rejoint les films, séries, romans, bandes dessinées pour influencer l'iconographie de notre époque. Après tout, maintenant que Lightning est officiellement modèle pour Louis Vuitton, on peut s'attendre un petit peu à tout, et les prochaines rencontres entre l'industrie de la mode et l'industrie des jeux vidéo promettent d'être fascinantes. J'attends avec impatience de voir ça, et en attendant, n'oubliez pas, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands jeux. Mais plus intéressant est encore les jeux de mode. Come on, baby, bring it for Cameroon.